Nous sommes en Tanzanie. Sur ce vaste plateau, de nombreux troupeaux de buffles et de gnous profitent ensemble de la végétation particulièrement abondante. Un tableau idyllique qui attire très vite une lionne affamée. Ça, c'est l'approche lente, le fixe, elle fixe sa proie. Il ne s'agit pas de se tromper. Elle approche tout doucement. C'est impressionnant de voir qu'à quel point il y a une souplesse lente dans l'approche et une tension dans le regard. Regardez ça. Elle est prête à démarrer. Dès que la proie va commencer à courir, elle va partir parce qu'elle sait qu'elle a un temps assez court pour intervenir. Si elle a peu de temps pour intervenir, c'est parce qu'elle court vite, mais seulement sur une courte durée. Pour ne pas rater sa proie, elle a donc intérêt à s'en rapprocher le plus possible. Et là, elle vient de jeter son dévolu sur un bébé buffle. Quand on la voit qui s'approche du bébé, essaye de s'approcher du bébé buffle, c'est magnifique à voir parce que ce sont des machines de guerre puisque les carnivores, pour vivre, sont obligés de manger des proies. Une proie sans défense. Sans pitié, la lionne se jette sur le petit buffle et ne lui laisse aucune chance. La lionne attaque un petit parce que c'est beaucoup plus facile. Un buffle, il faut se mettre à plusieurs, il faut vraiment qu'il soit affamé pour attaquer un très gros buffle. Mais si la lionne chasse, c'est parce qu'elle doit nourrir ses lionceaux. C'est pour cette raison que pour achever le bébé buffle, la lionne n'a aucun état d'âme. Mais la mère du petit réagit courageusement et n'hésite pas à porter secours à sa progéniture. La buffle, elle ne réfléchit pas un instant, son buffle est attaqué, elle y va. Chez les buffles, comme chez la lionne d'ailleurs, comme chez les singes, l'instinct maternel est très fort. Chez les animaux, tout est une question d'instinct. Et le problème est de savoir entre sa peur de la lionne et l'instinct maternel, lequel va gagner. Et là, cette lionne, elle a un instinct de chasse actuellement. Elle aimerait bien me manger. Mais la lionne n'est pas prête à renoncer à sa proie. Elle s'est accrochée à la gorge du petit et ne compte pas lâcher prise. La lionne attaque toujours à des endroits où on peut essayer de tuer vite. Alors, elle prend soit à la gorge, à la nuque en cassant les reins. Si la lionne se retrouvait dans la position de la mère buffle, serait-elle elle aussi prête à se sacrifier pour son petit? Une lionne est-elle prête à mourir pour sauver son petit? C'est évident que oui, ça c'est certain. Les lionnes ont également un instinct maternel, pas seulement les buffles. C'est vraiment une règle dans la nature. Dans cette scène, l'instinct maternel joue un rôle essentiel. Malheureusement, la mère se retrouve toute seule pour affronter le fauve, car le troupeau, lui, ne manifeste aucune solidarité. À partir du moment où tel animal a été choisi comme proie, les autres, ils s'écartent à peine. Ils sont pas concernés. Maman buffle, elle s'est sentie concernée. Et la femelle est prête à tout pour sauver son petit. À coups de pattes, à coups de tête, de son corps tout entier, elle y met toute sa puissance. C'est maintenant au tour de la lionne d'être en danger. Les buffles ont des cornes et surtout un cou. Ils sont très massifs, ils pèsent des centaines de kilos. Et un coup de corne de buffle, ça vous éventre comme un rien. La situation prend une tournure inhabituelle. La lionne est projetée dans les airs. Elle a tout d'abord une réaction de fuite, puis elle reste immobile, comme choquée. Et sous ses yeux, le petit se relève. Tant mieux pour lui, ça en est sorti grâce à maman. Ce sont des images impressionnantes de la nature parce que c'est la règle du jeu, on doit se battre. Et on se bat pour la lumière quand on est une plante, on se bat pour survivre quand on est un buffle, pour manger de l'herbe, pour reproduire son espèce. Et puis il y a les lions qui sont là, il faut qu'ils mangent pour pouvoir assurer la viande à leurs petits. Tout le monde est dans l'obligation de vivre et de bien vivre. Ce jour-là, le petit buffle s'en est sorti in extremis.